Salut tout le monde, avant que la vidéo commence, je tenais à vous dire que regardez, il y a des nouveaux designs pour la boutique avec tous les personnages qui jouent dans mes vidéos Minecraft. Il y a aussi un code de réduction de 10%, le code OXY10, donc foncez sur la boutique, franchement ils sont incroyables les visuels, il y a plus de 300 produits, donc voilà, tout est dans la description et moi je vous souhaite un très bon visionnage. Et bonjour tout le monde, Soximos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. Et aujourd'hui les amis, eh bien on va couler le tout premier bateau de Pepito et Bullock. Vous savez, quand ils sont aménagés dans la ville, eh bien ils sont pas choisi une maison mais un tout petit bateau. Aujourd'hui ils vivent dans un énorme yacht et du coup bah on va couler l'ancien bateau. Vous allez voir, ça va être super drôle, j'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, pensez à lâcher un maximum de pouces bleus les amis, vous mettez 8000 likes et comme d'habitude vous abonnez si c'est pas encore fait. Comme ça on tente les 600 000 abonnés. Je vous rappelle qu'aux 600 000 abonnés on ressuscite Manon. Et si vous êtes sage, si on arrive vite aux 580 000 abonnés, on va dire par exemple avant la fin de l'été, avant début septembre, et on l'a fait le 1er septembre. Si on a 580 000 abonnés avant le 1er septembre, je la fais ressusciter tout de suite. Donc go vous abonner en masse les potes, ça fait super plaisir. Donc comme d'habitude, je tiens à remercier les nouveaux sponsors. Alors vous avez vu, pour une fois j'ai commencé là intro autre part et on va éviter que l'intro dure 10 000 ans. Donc je vous rappelle qu'à la boutique, pour acheter les t-shirts, vous avez énormément de choix, plus de 300 produits, le code de réduction OXY10 avec tous les personnages de mon roleplay, etc. Donc voilà, allez voir avec les 15 nouveaux produits. Il y a beaucoup de commandes en ce moment et bien les nouveaux sponsors. Donc il y a Gabin Rape, il y a Marceline, Virginie, Hélène, Commandant Fox, c'est Sandrina. Donc merci beaucoup à vous, ça fait super plaisir. Donc voilà, c'est dans la description toutes les infos pour s'abonner à toutes mes chaînes, etc. J'ai pas eu le temps d'aller dénicher des nouvelles photos, mais bon. Donc voilà. Alors ça c'est fait. Alors je tenais à vous dire quelque chose, c'est que dans les deux ou trois dernières vidéos, je vous avais parlé de, vous savez, les vidéos personnalisées sur mon Fiverr et tout, mais Fiverr ils ont du mal à accepter le truc parce que c'est pas en anglais et tout. Donc pour l'instant c'est en stand-by. Je vous avais dit que je mettrais ça en place et tout, mais pour l'instant je mets en pause, peut-être que je vais changer de site et tout, je sais pas encore, mais voilà. Donc ça va être fait peut-être plus tard, j'en ai aucune idée. En tout cas c'est en stand-by pour l'instant. Bon du coup, regardez, là il y a le bateau, le tout premier bateau de Pepito et de Bullock. Alors pour ceux qui suivent leur chaîne, allez vous abonner à leur chaîne, eh bien ils sont partis en vacances, ils sont partis faire du sport et tout, mais j'ai cru entendre que Pepito il est de retour dans son ancien bateau, enfin dans son nouveau bateau justement, pour aller chercher des affaires. Donc regardez, il est juste là le bateau. On va aller le voir juste après, mais avant j'ai envie quand même qu'on rend hommage à ce bateau là parce que quand même on l'a vu plusieurs fois. J'avais construit un terrain de foot flottant juste à côté. Ça je sais pas si on le coulera. Je pense qu'on le coulera avec. Donc regardez, voilà. Donc ça c'est l'ancien, ça c'est l'ancien bateau. Rien n'a bougé. Les toilettes sont toujours inondées. Je pense qu'ils devaient faire leurs besoins dans la mer. Du coup vu que c'était inondé du pipi de Carlos. Là du coup il y a toujours les bières. Il y a toujours absolument tout finalement. Les frigos, bon, ils sont un peu vides, les frigos. Et là, il y a la chambre de... Ah ouais! Ah mais ça, c'est moi qui l'avais cassé. Mais il allait couler en même temps. Donc voilà, ça, c'est l'ancien setup et l'ancienne chambre de Pepito. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une lampe, ok. Bon, nickel. Donc là, on va aller voir Pepito. Normalement, il est là-dessus. Et, regardez, on l'a vu, je crois. Il est là-bas, il est en train de se balader dans le bateau. Il est aux fenêtres. Ah, il est là, regardez, on le voit. Bon, on le voit d'un peu de loin. Donc voilà, on va aller plonger et on va tout simplement aller le voir. Donc on va juste, on va plonger d'un peu plus près parce qu'il y a du sable qui va jusqu'à là-bas. Donc autant marcher, ça va beaucoup plus vite que de nager. C'est plus agréable aussi. Alors tac, tac, voilà. Et c'est parti. Regardez-moi ce nouveau bateau, il est incroyable. Je sais pas si on avait eu l'occasion de le visiter entièrement avec Pepito et Bullock, je me rappelle plus trop. Je crois qu'on l'avait visité un peu en vite fait comme ça. Mais c'est vrai qu'il est incroyable, il a dû coûter des millions d'euros. Je sais pas où ils ont sorti toute cette somme d'argent. Mais en tout cas, vraiment, le bateau est incroyable. Regardez, on voit Pepito en train de faire du toboggan. C'est vraiment stylé. Franchement, c'est vraiment ultra propre. Alors, on va y aller, tac, 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 voilà, hop là, et voilà. Alors, Pepito ! Quoi ? Pepito, je suis en bas ! Ah, j'arrive ! Vas-y, vas-y, viens Pepito ! Coucou. Oh là là, mais il est magnifique leur bateau. Oh, ça va Pepito ? Très bien, et toi ?
Ouais, ça va. Écoute, bah moi je passe mes vacances un petit peu seul parce que là il y a Awaris et Carlos qui sont partis en vacances et bah moi bah toi aussi t'es parti en vacances avec Boulogs, donc je sais plus trop quoi faire. Moi je me sens seul un peu dans ma ville. Boulogs il m'a envoyé dans une colonie de vacances de muscu. Ah ouais, du coup là tu commences à devenir musclé un peu, je vois ça. Bah un peu, mais j'avais oublié mes affaires de sport. Du coup, je suis passé les chercher. Ah ouais, je vois ça. Bah ça tombe bien parce que je pense qu'il y a une activité qui va vraiment te plaire, Pipito. Ah bon? Tu vois l'ancien bateau là sur lequel t'étais avant? Oui. Et eh ben on va le couler. Oh, on va le couler? On va faire un énorme trou dans la coque et il va couler. Wow. Ça te plaît ou pas? Ah oui, j'adore. Bah voilà. Alors prépare tes. Bah tu sais quoi, tu jetteras des haltères dans la coque comme ça, ouais. Ça va se casser, ok? Oui. On va préparer des TNT, on va préparer pas mal de trucs, ok? Oui, on va tout faire exploser. Bah ouais. Juste, j'ai une question. Tu l'as acheté, avec ton papa, vous l'avez acheté combien le bateau là? Bah il était en réduction, mais je crois que c'était 3,90€. 3€ le bateau? Oui, il était en réduction. Et tu l'as acheté 3€ alors que ça vaut 3 millions d'euros, un truc comme ça? Ouais, il y avait une grosse réduction, il y avait marqué que c'était pas cher. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah, franchement, vous avez fait une affaire avec Boulogs, hein? Ah bah oui. Il est trop bien. Bon allez vas-y, on perd pas de temps, Pépito. J'arrive. Vas-y. Prends un jet. Hop. Alors c'est un jet ski, ouais c'est un jet ski, on peut dire ça comme ça. Vas-y, avance tout droit, vas-y je te suis. Ah oui. Voilà, donc là les amis, ça rigole pas, on va couler le bateau, il va aller bah tout en bas. Et est-ce que tu voudrais qu'on coule le terrain de foot ou pas? Le terrain de foot flottant? Ah, on comptait l'attacher derrière le bateau. Derrière la tuyote. Ah ouais, pas con. Mais en vrai, j'aimerais trop le couler, non? Ça te dit pas? Bah, on pourra en faire un mieux. Bah oui, t'en feras un plus grand. Ouais. Un digne de ce nom. Bon, attends, du coup, du coup, voilà. Hop, je vais juste monter sur le bateau avec toi. Bon, du coup, tu veux lui rendre un hommage avant ou pas? On saute de tout en haut une dernière fois? Ouais. Vas-y, viens. On va sauter de tout en haut une dernière fois. Je suis pas venu là. Ça fait longtemps. Ah bah ouais, je me doute. Pourtant, vous avez pas vécu longtemps là-dedans, hein. Mais bon, en même temps, il était tellement petit que c'était vraiment un truc histoire de vous dire que vous déménagez dans la ville, quoi. J'avais pas la place de mettre tous mes burgers. Ah bah ouais. Vas-y, moi je saute en premier. J'ai peur que tu vides l'eau de la mer. Donc, hop. Ah bah... J'ai peur que tu casses le. Waouh. Oh là là. Vas-y, viens. Ah. Waouh. Waouh, t'as fait comme une bombe. Que je remonte maintenant. Ouais, vas-y, remonte. Bon, du coup, moi, ce que je compte faire... Alors, moi, ce que je compte faire, c'est... Je vais enlever les flotteurs de ça. Donc, viens, on enlève le flotteur. Hop. Ok, je vais enlever cela. Donc, à partir du moment où on enlève les flotteurs, ça va couler tout doucement. Alors, fais gaffe, casse pas tout non plus. Hein. Ah bah oui, tiens, moi, je vais couler aussi. Ouais. Donc là, on enlève tous les flotteurs, les amis. Et normalement, ça devrait couler assez lentement. Je ferai des coupures, vous inquiétez pas. Voilà, et là, waouh! Là, c'est un peu instable déjà. Regardez, l'eau, elle commence vraiment à arriver dessus, hein, limite. Voilà, c'est déjà la limite. Et vas-y, vas-y, non, saute pas d'un. Ouais, voilà. Saute pas trop d'un côté, sinon le truc, il va dévier et tout. Moi, je te conseille. Qu'est-ce que je te propose? On met une grosse TNT ici ou pas? Ah ouais, une énorme TNT. Vas-y, on met une grosse TNT alors. Et vas-y, c'est à toi de l'allumer. Attends, on fait un circuit redstone avant, ok? Ouais, parce que sinon, bah, nous aussi, on va couler. Ouais, on va faire un circuit en redstone avec un levier. Moi, donc... je vais mettre des haltères. Ah, des haltères. Pour que ça coule plus vite. Ouais. Et puis, j'ai pas envie de les amener à la colo. Ah ouais, ah ouais, bon, bah, ça, tu vois ça avec ton père. Hein. Du coup, attends, je vais mettre un répéteur. Alors, attends, répéteur. Il reste un burger, là, je le prends. Vas-y, prends le burger. Voilà. Tac. Je vais faire ça. T'es prêt ou pas du coup? Oui. Vas-y, je vais mettre encore un répéteur ici, comme ça on a le temps de partir, ok? Comme ça on a le temps de partir, on va faire un petit circuit comme ça, voilà, histoire de dire. Je vais juste mettre plein de répéteurs, comme ça le signal, il va mettre du temps à arriver à la TNT. Ouais. Voilà. Tac. Et vas-y, on va mettre ici. Bah, tu sais quoi, il y a déjà un bouton ici. Donc, à partir du moment où tu appuies, on va se mettre sur le terrain de foot. Okay, non, on va se mettre sur la rive en face. Comme ça, on va voir l'explosion, ok?
Ok. Vas-y, vas-y. Ah, oh. Attends. Je reviens. Ah. Vas-y, vas-y, reviens. Au pire, mets-toi directement sur la rive. C'est moi qui appuie sur le bouton, ok? Ok. Vas-y, vas-y. Je prends un jet ski pour y aller. Vas-y. Bon, les amis, vous êtes prêts ou pas? Allez, 3, 2, 1, bim. Et regardez, le signal avance. Donc là, il faut vite courir, les amis. Vas-y, viens. Oh, les amis, ça, ça va exploser, ça va exploser. Ah, peut-être que je l'ai fait à l'envers, non? Ah, mais je pense que ça met du temps, peut-être. Ou peut-être qu'il met vraiment beaucoup de temps. Oula, c'est long, hein, là. Ouais, c'est peut-être un peu long. Je l'ai peut-être fait à l'envers, le circuit. Ah ouais, mais j'ai dû le faire à l'envers, en fait, le circuit. Ah, oui. Ah bah bravo ça, Oxymose. C'est là qu'il m'explose à la tête, le truc. Ah non, mais j'ai fait le circuit à l'envers, les amis. Bon, bah, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va juste tout inverser. Voilà. On va faire comme ça. Ici, on inverse ici. Et au pire, on en met moins, ok? On en met moins. Tac, tac, tac. Ou on met juste ça comme ça. Voilà, donc là, ça va être un peu plus rapide. Vas-y, bah. Au pire, vas-y, ça prend 2 secondes. Hop, 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 hop. Voilà. Et là, on appuie. Ça fait. Bah. Là, je crois que ça va arriver. Ça arrive ou pas? Non. Ça arrive pas? Non. Mais wesh, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un problème alors. Ah, mais je les ai mis comme tout à l'heure. Mais je suis trop con, hein. Je suis trop con. Les amis, double fausse alerte, je crois. Double fausse alerte. Ah oui. Double fausse alerte. Ça a toujours pas explosé. Non, 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 mais attends. C'est juste parce que je les mets à l'envers à chaque fois. Là, je les mets à l'endroit. Et là, par contre. Non, mais deux fois je fais la même erreur quand même. Hein. Allez, 3, 2, 1. Oh, ça arrive, ça arrive. Cours, 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 cours. Mets-toi dans l'eau, mets-toi dans l'eau. Ok. Ok, ah. Saute, 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 saute. Wouah. Wouah, les amis. Wouah. Eh, on a bien visé, hein. Oh, l'eau, elle rentre pas assez. Ça va pas casser les frigos. L'eau, elle rentre pas assez. Attends, on va continuer de mettre de la TNT. On va en mettre 2 ici. Wouah. Alors là. Ça va être. Mais ça va être énorme. T'inquiète, t'inquiète. Attends. Cours, 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 cours. Mets-toi au fond du bateau. Waouh. L'eau elle commence à rentrer. Bon, les amis, là, le bateau est en train de couler. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que là, on va faire une petite pause et on va voir une fois que bah il sera coulé à moitié ou voilà. On va attendre un petit peu, ok? Allez, les amis. Toutes les pierres. sauve les bières, Pépito. Je vais sauver les bières, je vais sauver les bières. Allez, à tout de suite. Ok, les amis, regardez-moi ça. Ça fait plus d'une heure qu'on attend. Et bah, le bateau est presque au fond. Il est presque au fond. Et du coup, il va rester de la. T'as vu, il reste des voiles et tout. Mais je pense que le mât, il va se casser. Je sais pas ce que t'en penses. Ah, bah, si, je pense. Hein. Et après, de toute façon, au pire, si c'est encore au fond et que ça dépasse, bah, tu sais, il y a toujours l'échelle pour pouvoir faire des plongeons là. Oui, on veut pouvoir faire des plongeons depuis, bah, depuis l'épave. Ah, ouais, ouais. Et en vrai c'est trop stylé, il est tombé tout droit, il a pas penché et tout, donc ça c'est cool aussi. Et le terrain de foot il a bien descendu, je crois il est presque. Ouais bah vous voyez il est un peu sous l'eau, mais il est pas entièrement sous l'eau. En tout cas on a une super vue sur ton nouveau bateau là. Wouh. Yeah. Là splouf. Ah bah regardez les amis, regardez, il y a c'est des trucs. C'est comme le Titanic. C'est comme le Titanic. C'est comme le Titanic mais en plus petit. Bah, tu sais que tu peux jouer au foot sous l'eau là. Hein. Ouais. Tu peux jouer avec au foot sous poissons. L'eau. Avec les poissons. En tout cas, vraiment, c'est trop, trop stylé, les gars. Trop stylé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Au moins, tu vois, ça fait un peu la map. Elle est vivante et tout. Il y a toujours des trucs qui changent et c'est vraiment stylé. Bon, bah voilà. J'espère que ça t'a plu, Pépito. J'ai adoré, mais il faut que je remonte. Ah ouais, bah vas-y, remonte, remonte. Tu t'en c'est parleras bon. À Boulox hein, pour pas qu'il soit choqué quand il revienne. Tu enverras des petites photos. Et... Je lui enverrai des photos, oui. Ouais, et voilà. Bon, les amis, on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas, les amis. Vous allez voir dans la boutique, vous achetez les t-shirts Pépito, Boulox et Oxymose. Vous achetez les nouveaux t-shirts avec toute la team. Les t-shirts YouTube, il y a aussi Pépito et Boulox dessus. Il y a aussi Carlos, Susco, et tout le monde. Il y a ma petite sœur, il y a Manon, il y a ma copine, il y a mon fils, il y a mes deux hamsters, etc., etc. Bref, merci beaucoup à tous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Oxymose. Pour vous servir. Allez, ciao, ciao.